Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, 26 janvier 2021, c'est un jour bien triste pour la nation mauricienne parce qu'aujourd'hui, la nation finit perdre celui qui finit compose son hymne national. Or, qui était l'hymne national? L'hymne national, c'est la signature d'un pays dans le concert des nations. L'hymne national, c'est une composition musicale qui représente une nation parmi tous les pays du monde. D'ailleurs, dans ma grand compétition internationale, à chaque fois qu'un représentant finit de briller et qu'il finit de monter sur le podium, la première des choses, c'était de faire élever le drapeau et de jouer l'hymne national. L'hymne national, qui fait un national? Parce que le mot nation, il renvoie nous à un mot latin, natio, qui veut dire naître. Oh, nous naissance, il ramène nous à nous l'origine. Et la nation, il ramène nous à nous origine géographique, culturelle, historique et à tout bon rapport l'eau, la terre, Maurice. Ça veut dire, nous, un peuple qui a une histoire commune, nous, un peuple qui nous fait prendre naissance loin de la terre commune, nous, un peuple qui nous a un destin commun, nous, un peuple qui nous partage beaucoup de traditions et de cultures communes. Même si ben, différentes entités de sa peuple-là, eh ben, nous avons nos spécificités à nous, mais il y a quelque chose qui rassemble nous, c'est bien la nation mauricienne, la constitution mauricienne et l'hymne national. Donc aujourd'hui, moi je suis content en tant qu'un citoyen mauricien engagé, présente nos sympathies à la famille Gentil et à toute la nation mauricienne. J'espère que Philippe Gentil repose en paix et qu'il nous tout rendit un grand hommage dans nous le Caire et pourquoi pas de manière visible aussi. Merci et glory to thee.